Tariq Ramadan, vous avez été mis en examen pour viol. Vous me donnez la possibilité de m'exprimer. Je vous demande 3 minutes. Squalala, nous sommes partis. Tariq Ramadan est tellement fort qu'il peut être à Lyon et en même temps à Baltimore aux USA. Eh bien, je n'y étais pas. Je ne suis jamais descendu à l'hôtel Sofitel de Lyon. 660 messages entre ces deux personnes et Caroline Forest. Tchou, tchou, tchou. Alain Soral. Je suis un écrivain français. Vous avez menti. Vous avez menti. Mais alors qu'il faisait quel pouvoir exercez-vous? Quel pouvoir exercez-vous sur ces femmes? Monsieur, est-ce que vous exercez une emprise sur ces femmes? Est-ce que vous êtes servi de l'emprise religieuse? Parce que là, vous êtes en train de rapporter. De rapporter. Je vous pose un propos. Non, non. Si, vous faites de la morale. Non. Une faiblesse, aucune violence chez vous. Que vous considérez que la violence pendant l'acte sexuel est acceptable? Bon, madame, alors moi, j'ai une autre question. Non, mais j'ai pas fini. La définition. Parce qu'il est 47 et je voudrais vous poser une autre question. La définition de l'emprise. Non, je pas. Comment vous condamnez publiquement la sodomie? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Non, vous l'avez condamné publiquement ou pas? J'ai dit que les amis musulmans étaient partagés sur cette question. Vous... Dieu vous punit? Un homme violent? Mais monsieur, ou un imposteur? Une faiblesse, aucune violence chez vous? Est-ce que vous avez défendu la charia? Est-ce que vous condamnez la charia dans d'autres pays que la France et notamment dans les pays que vous connaissez bien? Vous avez menti à des dizaines de milliers de musulmans. Attendez. Arrêtez de me prendre à témoin. J'ai horreur de ça, Tariq Ramadan. Je vous prends pas. Vous ne m'écoutez pas. Vous faites preuve. Vous faites bien. Merci, Tariq Ramadan, d'être venu ce matin. Aïe, d'accord.